In het westen van Afrika ligt Benin, waar The Hunger Project actief is. Door verschillende factoren van armoede te bestrijden, werkt The Hunger Project hier aan Millennium Doel 1, het halveren van extreme armoede en honger. Ce que je fais, c'est très difficile pour moi dans ce domaine-là. C'est-à-dire, en tant qu'élève, normalement, si tu reviens des cours, toi, tu vas aller tes cours, manger et relier encore le cours que tu veux faire. Mais maintenant, si moi je rentre, c'est comment faire pour s'occuper un peu de mes soeurs avant de revenir encore. C'est ça mon idée premièrement. We work with epicenters, and the epicenters are clusters of village where many villages are working together in order to end hunger and poverty. Nous sommes à l'épicentre de Kissamé. Ici, nous avons la caisse communautaire rurale. C'est elle qui octroie des crédits aux femmes et aux hommes. Et ici, nous avons une unité de santé, voilà, qui fait les consultations natales, prénatales et les consultations médicales, de même que la vaccination. Je dis que Noli est une fille exemplaire. À partir de la maison, de l'école, de l'épicentre et même du marché, elle essaie d'apporter un plus. Et elle essaie elle-même aussi de se développer, puisque avec les nombreux événements qui se sont produits chez elle, elle a perdu son papa, sa maman, pourtant elle a continué les classes. À travers toutes ces activités, d'abord, j'ai le courage de prendre la parole devant une foule. Après ça, le VA que nous avons reçu à l'épicentre là-bas aussi, vraiment, c'est un outil qui m'aide vraiment. C'est un outil qui m'aide vraiment. Parce que dans des groupes, dans des associations, des gens m'invitent des fois pour participer à leurs réunions. Et de plus, ça, il y a beaucoup de personnes qui me connaissent quoi, dans le domaine. Donc ici, il y a des situations, je viens de dire, allez voir Noélie. À travers les formations que j'ai reçues, et je les ai livrés ça dans la maison, par exemple sur le VIH-SIDA, le paludisme, comment utiliser le moringa pour pouvoir éviter certaines maladies. When we talk about famine that occur occasionally, it represents less than 10% of the hunger over the world and in our country. But what is constant and we need already to deal with is the chronic hunger, where people cannot afford 3 meals per day, and when there is the case, they don't cover the needed vitamin and all nutrients they need, really. Yeah, MDG 1 is to eradicate the extreme poverty and hunger. And the epicenter is a building where you can find health unit, meeting room, rural bank, food bank, nursery for children under 5. We use all those components to meet the population needs. À travers l'aide de Hunger Project, j'ai la vision de stocker. Et puis mon étude aussi, l'école là. Donc je veux l'aide de Hunger Project pour que ça évolue normalement. Pour moi, comment avant.